Regardez qui est là. C'est quoi votre truc là? C'est un pince sur ce chocolat? La façon dont il croque dedans. Ah, t'avais un petit mot, c'est tout. Bah ouais, en fait, j'essaie de la faire, mais. Attends, comment ils font les gens? Ouais, ça fait un peu. Ah, c'est horrible, il y a le contraste mousseux, froid et truc super chaud en dessous. Des radios comme les eaux, c'est archi bien fait. Il y a des godasses. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la clique des trois copains et aujourd'hui on est à Gand. Donc on a fait un épisode à Bruges, aujourd'hui on a un copain en plus qui est avec nous, on est quatre du coup aujourd'hui et on a décidé d'aller à Gand en plus aujourd'hui et franchement il fait super beau. Avant de continuer le vlog, je vous laisse avec l'introduction des quatre cocos, dont moi. Du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est à Gand pour faire un nouvel épisode d'une journée avec. Mais aujourd'hui, c'est une journée avec nous et pas juste une journée avec moi. Donc, je suis avec Damien, Julien et Salia. Et aujourd'hui, on va visiter un peu Gand. On va voir un petit peu ce qu'il y a. On n'a pas prévu de programme, honnêtement. On va faire comme la dernière fois. On va se promener, on va regarder ce qu'il y a. Et en fonction, on verra bien ce qu'on va faire de la journée. Donc, écoutez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'il y a à découvrir. Mais c'est quand même une super belle ville. Et en plus de ça, les magasins, ils sont ouverts le dimanche. Donc, c'est super cool. On va pouvoir se promener et tout. Et aujourd'hui, il fait quand même assez bon temps. Donc franchement c'est super top. Donc allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Pour l'instant on est un peu en train de regarder les boutiques et les prix en vrai, parce qu'on est avec énormément de boutiques de marque. Donc on regarde un petit peu ce qu'il y a. Mais non, mais franchement on a les mêmes fleurs dans Animal Crossing quoi. Je les trouve moches. Hello. En vrai, c'est beaucoup trop beau, mais ne me demandez pas où on n'en sait rien. On a voulu aller voir à l'intérieur de ça, sauf qu'il y a la messe entre 10 et 11, donc on va y aller dans un quart d'heure puisqu'il est 10h45. Donc en attendant, on se promène dans les environs. La fine équipe, elle est là. Et on a regardé les bâtiments, sont franchement beaucoup trop beaux. Franchement, c'est super beau. Enfin, c'est ouf comme dans un seul pays, on a des villes autant différentes les unes que les autres. Donc, c'est super stylé. Et il y a vraiment pas beaucoup de monde. Genre, quand on regarde, il y a vraiment peu de gens. Je sais pas. Mais du coup, c'est super stylé. Il y a les trucs derrière et tout. Enfin, bref, c'est trop beau. Donc, on est en train de voir un peu. Tout commence à ouvrir. Ça ouvre plus ou moins vers 10h30, 11h. Donc il y a tous les cafés qui sont en train de mettre leurs chaises, leurs tables et tout, donc c'est super cool. À mon avis, je pense qu'il y aura de la vie l'après-midi. Franchement, c'est super chouette. Didn't mean those things, I'm sorry. Doesn't matter anyway. We've been here one time too many. Wonder what will happen next. We both know that this ship's going down. Let's get up and leave. Il y a sûrement un Abel qui a été conçu ici. En vrai, oui. Mais en vrai, ça fait vraiment penser aux Pays-Bas. Moi, j'aime bien celui-là. Oui. Moi, j'aime bien le jaune.
Ah oui, j'aime bien. Je préfère la couleur lime, c'est plus piquant. T'as vu les colliers faits avec des galettes d'héros là? Galettes d'héros? Ouais, c'est des glaces. Ah non, c'est des perroquets. Ah oui, ah ok, les fèves. Oui, les architectures sont magnifiques, il y a des monuments de malades, les maisons sont trop mignonnes. L'odeur est à revoir. Ça dépend à quels endroits. Voilà. Un petit resto sympathique. Loin. Pleureur, c'est joli. Ouais. Oui. Regardez les ouais. Erreurs. C'est juste comment tu l'as dit, genre directement, regardez ça, regardez ça. Hey. Du coup, c'est trop mignon. C'est trop, trop beau. Je suis un homme. J'ai des filures. Des quoi? Des filures. Des filures? Des filures. Des... Vous savez pas ce que c'est? Non. C'est cassé, quoi? Des filures, j'ai des défauts, tu vois, genre... Ah, ok. Ça lie à la daronne. Papa americano. Ça lie à la daronne qui fait des vidéos en vacances. Coucou, on s'amuse bien, c'était super. Ouais, bon écharpe, week-end, bisous. Waouh. Et à l'époque, ils faisaient piou piou. Ils avaient des arcs à flèches, tout, des échelles. Ils étaient dans les donjons. Mais les douves avec les crocodiles. Il n'était pas là. C'est beau. Bonjour. Voici deux canards. Une femelle et un mâle. Ils sont trop mignons. Ils marchent ensemble et ont l'air très heureux. Canard laqué et gros piquant. Je te conseille le canard laqué, qu'est-ce qu'il raconte? Il est légèrement piquant. Ils sont trop beaux. Ils se suivent comme un couple amoureux. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that orphan gay song. I'm stunning, you love. À la fin de celui-ci, nous vous retrouverons ici. Et c'est ici que vous nous remettrez votre audio guide avant de... 180 en pierre calcaire de Tournai. J'adore venir ici. Je me... Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. C'était trop cool. On est les deux premiers, mais c'était trop cool. C'est ultra intéressant, j'ai trouvé. Ouais. Des trucs un peu tristes, genre les oubliettes. Ouais, de ouf. Mais... C'est ultra bien raconté. J'ai essayé de faire écouter un peu, tu sais, près du micro pour que ça s'entende un peu. Du vent, j'ai pas trop confiance. Je sens que tu vas le retrouver là-bas, mais franchement, c'était trop cool. C'était trop bien expliqué et tout. Ouais, genre, c'était drôle en plus. Ouais, il a une belle voix, ils ont mis plein de trucs et tout. Franchement, c'était top. C'est des blagues et tout. Ouais, enfin, c'est super bien raconté, c'est mis en scène, il y avait les bruitages et tout. Et vous en avez pensé quoi? C'était pas mal quand même. Ouais. La salle de torture était un peu glauque, mais sinon ça va. Salle de torture, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant par contre, puis bah, ça s'est couvert de ouf. Il y a des gros nuages gris, fait un peu plus froid. C'est trop cool, franchement. On est venu ici sur un coup de tête, on est passé à côté, on l'a vu, on s'est dit bon, on va essayer. Bah, franchement, c'était super cool. Il y a 18 pistes, les audio. C'est 7 euros pour les étudiants avec votre carte. Sinon, cette tarif individuel, c'est 12 euros. Mais franchement, c'était vraiment super cool. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a d'autre à visiter en ville. Bah, regardez, il y a un chevalier là-bas, les amis. Ah, j'ose pas. Ça, c'est... Je sais pas. Et moi je fais ya. D'ailleurs. Oui, j'avoue. C'était vraiment excellent. Vraiment super bien fait. Autant, partie préférée, le donjon. Autant aller dans les pièces, il y avait à chaque fois même les petites images avec le petit lapin qui revenait. Et... C'était comique et en même temps instructif en fait. C'était génial, vraiment. Tout en haut, moi j'étais pas à l'aise. Putain. Moi ce que j'ai préféré, c'est les toilettes. Petit, je... Oh, les toilettes.
Regardez-les, cette bande de lâches, comme ils avancent ultra vite. Regardez, faut que je les course. Lui, il fait bande à part. Ça y est, le groupe est dissous. Des catastrophes. Et moi, je me retrouve solo derrière. C'est qui cette folle? Coucou ma biche, comment tu fais? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Coucou. Elle est trop belle. Oh, t'es trop belle. Avec moi. Waouh. T'imagines? T'es trop belle. Du coup, maintenant, après le château fort, on est en train de se promener un peu à gauche, à droite. Julien était déjà venu il y a quelques années. Du coup, il nous conseille un restaurant, sauf qu'il ne sait plus où c'est ni comment il s'appelle. Donc, on est un peu en train de chercher dans ses souvenirs, voir où c'est. J'avoue que je commence à avoir faim, ça commence à se couvrir, donc il fait quand même un peu plus froid. Mais malgré tout, franchement, c'est super chaud. Donc là, on va essayer d'aller se poser pour essayer d'aller manger. Il a dit que c'était un grec. Donc écoutez, on verra bien en fonction de ce qu'on trouve. On a chacun un peu nos préférences sur ce qu'on a envie de manger, donc ce sera en fonction de ce qu'on va trouver. Que là, pour l'instant, on a repassé le grand pont qui était en face de celui qu'on a vu ce matin. On est en train d'un petit peu chercher pour voir où est-ce qu'on pourrait aller manger, où est-ce qu'il y a des restaurants qui pourraient nous plaire. On verra bien en fonction. Il n'y a pas trop de monde, mais il y a de la vie quand même. Donc franchement, c'est super chouette. Et regardez comme c'est trop beau. C'est vert et tout. Enfin, c'est trop kiki. J'aime trop. C'est super chouette. Donc, on va voir un peu ce qu'on va manger. Parce que je vous avoue que là, j'ai faim. Surtout à force de monter et descendre des escaliers, j'ai les jambes qui trempent. C'est super chiant. Mais ouais, non, c'est vraiment trop chouette. On sait pas où on va. Mais on y va quand même. On se promène. Sans savoir vraiment où on va manger et tout. Maintenant, on cherche un peu à découvrir ce qu'il y a et tout. Nous n'avions absolument pas prévu notre journée à Gand, donc ça a été de la totale découverte. On s'est littéralement promené dans toutes les rues et on est quand même tombé sur des endroits assez mignons avec des super belles architectures. Donc je vous laisse tout ça en image. Like someone pretty neat, a different side of me, yeah. Ça te fait penser à rien, ça? Putain, j'ai cru que c'était la fille de Carla et Kevin. Parce que j'ai lu Ruby Gadu. Non, qui est Carla et Kevin? Marseillais? Non, mais je rigolais avec les Marseillais. Je rigole pas les Marseillais. Je pas. Et vous non plus? Je pense qu'il y a que toi qui regarde. Ok. Bon, bah, j'ai eu. Putain, j'étais en mode, mais putain! Imagine y suivre. Back to the castle. Back to the... La meuf qui a juste envie de voir une castel rouge. On est de retour au petit château. Pas savoir comment on est revenu ici, mais on y est. On va aller boire un truc et puis on va rentrer. On va aller se poser un café. Et on verra bien. On sait pas encore lequel. On verra bien sur lequel on tombe, mais en tout cas le soleil revient et ça c'est super chouette. Mais on est littéralement en train de se promener juste dans les rues, on regarde un peu l'architecture, les quartiers, etc. Puis on va aller se poser tranquillement en terrasse, il est 3h30 déjà, enfin bref ça passe super vite. I get so caught up in the middle, thinking of drowning blue eyes. I'm losing sight cause I am falling, I'm so deep down. Deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide. La France a la fête foraine, on va acheter des olibolognes. Là on est garé au parking, en fait il y a une fête foraine. C'est fermé ce matin, ça je l'avais pas montré. Du coup on a ce parking là.
Et alors, il y a la fête forêt, du coup, c'est trop cool. Donc, vu qu'on a bientôt fini la journée, qu'on a été boire un verre et tout avant de reprendre la route pour rentrer à Marche, on va faire un tour de toute la fête. Mais c'est super chouette parce qu'on s'attendait tellement pas à ce qu'il y ait une fête foraine. Et en plus de ça, bah, il y a quand même full monde et tout. Et ça fait une bonne petite attraction. Donc là, ils sont en train de regarder pour prendre des croustillons. Mais franchement, c'est super cool. Donc, on va se promener et tout. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Pas trop chaud à faire des attractions ici pour l'instant, c'est plus prendre des croustillons. Mais bon, on verra bien en fonction. Donc, franchement, c'est trop cool. Ça fait super longtemps que j'ai pas été à la fête en plus. Je sais plus c'était quand, mais du coup c'est super chouette. Juliette a trop de cheveux pour mon plan vite. Ça part en photo. Picture. Des croustitis. Waouh, le Dams nous présente les croustitis. Les olibolons. Olibolons. Littéralement les boules à l'huile. Hein? Ils ont l'air chelous, hein, moi. Un peu, ouais. Moi si c'est chaud comme ça, je ne crains pas les lèvres. Oh, il a tout gobé. Il y a du sucre à palpa partout sur mon appareil photo. Ça c'est un bonheur d'être belge parce qu'en France il n'y en a quasiment pas. Il faudra tout manger, il va arriver, il n'y en aura plus. Ton bras Dams, tu caches les churros à Juju. Ah, excusez-moi, pardon. Les churros. Elle les a surcuits. Je sais pas. C'est le mec qui s'en occupe donc. Elle les a les yeux cramés. Ça craque sous les dents, écoute. C'est pas censé croustiller comme ça, on dirait des chips. Avant d'arriver au débrief de notre journée à Gand, le Dams a décidé de nous filmer un petit peu la fête foraine. C'est assez drôle, donc je vous laisse quelques images et puis on se retrouvera pour le débrief à la fin. C'est moi, t'as juste appuyé sur le bouton et tu rec. Bah oui. Ouais. Ça y a un petit truc. Voilà. C'est le mec qui a juste ici. Que j'ai gavé ma porte, Max. Il est 18h. Ah, trop quel connard. Du coup, il est 18h30, on est de retour, on vient de quitter Gand. 34. Merci. Chacun notre tour, on va expliquer comment s'est passée notre journée. C'était plutôt bien, je vous avoue, mieux que Bruges. J'ai mieux aimé, plus de monuments, plus d'édifices, plus de zones à visiter, je trouve. Les croustillons. Mais non. Ok. Croustillons, si vous achetez pour 15, là-bas vous en avez pour 25. Ils mettent le double. Allez, mais c'est bien, on s'en plaint pas, mais quand c'est pas prévu. La quantité avant la qualité là-bas. Voilà, oui, parce que la qualité. Oui, à deux, ils ont eu du mal à les achever. Churros comme de la brique, à ce qui paraît. Et donc, une note sur 10, notre cher Damien. Bon, 8,5. Oh, il a enfin mis une note élevée. Pourquoi elle n'est pas 1,5 en plus? Parce que je suis un chien. Ah, ok, d'accord. Moi, eh bien, je n'avais jamais visité Gand de ma vie. C'était la première fois aujourd'hui. Et je suis vraiment très très contente d'avoir pu la visiter avec vous. C'est une ville magnifique avec des architectures incroyables, vraiment atypiques. En plus il faisait beau, un petit peu froid mais pas de pluie, donc voilà, ça c'était vraiment top. Il était là aussi, il peut le dire. Vraiment chouette. On n'avait rien programmé, on est vraiment parti à la Wallingen. On a quand même trouvé des choses à visiter, on s'est promené. Moi je suis contente, vraiment je suis contente. Je suis
Allez, avant 8 et demi, hein, parce que je suis une chiotte. Non, je déconne. Allez, 8 et demi parce que j'étais fatiguée. Non, allez, 9. Je sais pas, moi, vraiment, c'était très bien. Je sais pas donner de notes. Donc, voilà. Donc, on a eu... Et lâchez pouce bleu sur la vidéo de Noémie et abonnez-vous ici en bas dans la barre de recherche ou je sais pas quoi, la petite flèche. Ça sera là en dessous. Oui, s'abonner, il sera là. Il y aura le petit et gel. Et vous likez, lâchez pouce bleu et aimez cette vidéo. Ça va, il prend TV, là. Lâchez pouce bleu. Je suis pas tchétchène, mais c'est tout comme. Là, la camionnette. Hey, oh. Donc on a 8,5, 9. Ouais. Et toi, Juju? Naken. Like my Naken, pompe la naissance. Un 9. On va dire ça comme ça. 9 ou quoi? Un 9 sur 10. De Pâques? Ouais, exactement. En chocolat. Un 9 de Pâques. Non mais c'était bien. C'était comme juste... Parle plus fort. Oui, j'allais dire, parle plus fort, on va pas t'entendre avec le prix de la voiture. Recommence. Oh, sérieux? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, Julien, combien? Et c'est parti pour un tour. Vas-y, dames, aidez-la pour Julien. Aidez-la, faut l'aider. Amenez-la à l'asile. C'est parti, Julien, nous t'écoutons. Oh, pitié, laisse-le. Pitié, laisse-le. Avec ta voix, tu vas conclure la vidéo. On a eu du bon temps, on a eu de la chance. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Aujourd'hui, je mets un 9 parce que j'ai trouvé que c'est quand même une super bonne journée. En plus de ça, on a quand même eu, comme ils l'ont dit, du beau temps. À un moment, j'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais au final, c'est passé. J'avais pris un parapluie au cas où parce qu'ils avaient quand même prévu de la pluie aujourd'hui. N'empêche, ça a quand même été une super bonne journée. N'hésitez franchement pas si vous allez à Gand à aller faire le château parce que quand vous faites avec les tarifs étudiants, vous avez quand même des avantages et c'est quand même super chouette. Une super belle ville et je trouve que le vieux Gand est quand même assez grand. Donc on avait quand même beaucoup de choses à voir. On a quand même eu vachement le temps de se le promener et de visiter. Donc franchement, c'était super cool. Pour moi, c'est un 9, donc on a 3 9 et un 8,5. On espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. À bientôt, ciao. On espère que la vidéo vous aura plu et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. 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 I never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle, but I lost my way back then. No more fighting and hurting. Those times are not coming.